pour m'indiquer la sortie. On peut pas le scanner ça. Ah non, mais de toute façon, on l'a déjà. Maintenant, il y a des espèces. Ces trucs là, là, quand on se rapproche, là, qui nous agressent. Il y a quand même un bruit de type qu'on aime pas trop là, on est d'accord. Waouh, ta mère. Je sais pas si c'est une très bonne idée de venir ici. Ah, ça doit être de l'or. Ah, ok, je peux pas ramasser comme ça. Il y a quand même un bruit. En fait, je sais pas si c'est. Le cri des Léviathans qui. Qui est déformé en gros par le fait qu'on soit dans une caverne. Mais c'est assez badant. C'est pas ça qui nous rassure plus. Faut que je fasse gaffe à la flotte, en plus j'en ai plus sur moi. Quoi ce bruit? Ah bah oui, forcément. Ah mais les sons là. Ah, j'ai arrêté de bouger pour qu'on entende. Ah, je vais me faire attaquer. Alors c'est pas ça que j'entendais par champ de champignons en fait. Hein. Ah et d'ailleurs je parlais de forêt de champignons, c'est pas de ça dont je parlais. C'est très joli hein mais... Y a plein de trucs que je ne peux pas ramasser en fait. Ah je suis déjà venu par là. Ah mais oui, il y a la balise coucou là-bas, ouais, c'était là que j'étais venu, je me souviens. Et du coup, de mémoire, il y avait une sortie, genre par là-bas, au-dessus de celui-là, je crois. Mémoire impressionnante. Et tourne-toi, hop. Ah merde, radiation dans le coin, c'est vrai, on se rapproche du vaisseau. Ah mais je retrouve bien les forêts de champignons, je vais retourner plus ou moins vers... Wop. Surprise. Je vais retourner plus ou moins vers la base de départ. Parce que c'était quand même dans un rayon pas trop loin qu'on avait trouvé ça. Ah, j'étais
Je sais plus si je suis allé par là. Je me souviens que j'hésitais à construire ma base au-dessus là et que je l'avais pas fait parce que ça avait finalement pas l'air si ouf que ça. J'arrive pas à savoir ce que c'est là qu'il y a dans la crevasse. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ok, je vais me perdre. On va remonter plutôt. Je pense que là il n'y a plus de radiation. Ouais. Ah, je vais aller cuire des poissons, tiens, il y en a pas mal là. Ah, ceux-là ils sont pas comestibles. Toi t'es comestible. En fait ce serait bien genre que je puisse d'abord. Attends, je vais vérifier d'ailleurs que je puisse pas le faire. Genre l'attraper. Et ici dire cuire quoi. Non, je peux pas. Là j'avoue que je trouve ça un peu dommage. Du coup faut réussir à lui mettre un coup de chelasse, puis le ramasser, puis le manger. Tellement long. Arrêtez de vous enfuir comme ça. Oh là là, ils auraient pu faire un truc un peu mieux pour ça. Avec ça pour l'instant, c'est pas ouf en fait. J'étais parti sur le principe de ça allait être bien. En fait, je ferais mieux de me faire des stocks de bouteilles d'eau. Hein. C'est quand même globalement plus rapide. C'est quoi ce truc? C'est vrai que je peux faire un leurre à créature. Ah, les palmes de charge! Ça recharge l'outil que j'ai en main pendant que je palme. C'est marrant. Ah, il me manque plus qu'un truc aussi pour le cyclope. Hein. Je sais pas ce que c'était la capsule temporelle là. Bien compris. Welcome aboard, Captain.
Ouais, ça a l'air trop beau ça, j'avais jamais vu. Ah, je peux pas descendre plus bas. Hop, je vais mettre un petit coup de réparation d'ailleurs avant de partir. J'ai jamais vu tout ça encore. What? Oh putain, fais chier! Oh la vache, je croyais que c'était la plante qui était en train de m'attaquer. Putain, ils sont là eux! Ça, c'est l'espèce d'extraterrestre de la planète quoi. Je vais manger un truc de soin quand même, hein, au cas où. T'es là, ce bâtard. Bon, je vais voir déjà si je peux scanner ça. Ah non. De l'huile de sang. C'est une très bonne idée de rester ici. Benzène. Ok, chelou. Ah, c'est ces trucs là là. Ah merde, il y a des trucs de merde là. Ah et du coup ils traînent autour de ces trucs là parce que ces trucs là ça leur file du sang quoi. J'en ramasserai bien un petit peu au cas où. Putain, ça prend tellement de place. Il en fallait 3 pour le truc hein, donc je vais en prendre 3 au cas où ça me serve. Là je suis un peu déçu de pas avoir de balises. 30 secondes. J'aurais bien mis une balise ici. Parce que jamais je me souviendrai de l'endroit. Oh, c'est pas ça qu'il me faut. Attends, je vais quand même rentrer là-dedans. Mais j'en ai ramassé des sacs gélatineux. Je sais même pas quand, comment. C'est ça que je cherche, hein. Je sais pas à quel moment j'en ai ramassé. Ok. Moi ça me va. Ok, bon bah du coup on va pouvoir faire notre lance-torpille, boire de l'eau effectivement, faut pas oublier. Boire de l'eau c'est important. Ah, est-ce que j'ai un moyen de repérer l'endroit où je suis là? Parce que ça a l'air quand même assez ouf. Mis à part que c'est à 2 km de ma balise. Je retiendrai jamais que c'est dans la diagonale. Non, une des diagonales du vaisseau. À 1 300 km de la balise, coucou. Personne ne clipperait ce moment où je suis sorti de l'eau en repérant un peu où c'était pour qu'après on puisse le retrouver facilement.
conditions for stimulating terror in humans. Bande de bâtards. Rien que le fait de dire que cette zone est conçue pour faire peur aux humains, ça fait peur. Mais à quel moment est-ce que j'ai ramassé ces trucs-là? C'est fou. Du coup, je saurais pas si j'en ai à nouveau besoin. Et eh ben, je saurais à nouveau pas où faut aller pour aller en trouver quoi. On se calme derrière. Le lieu duquel je viens là, où il y a des extraterrestres, je pense qu'il faudrait y retourner plus tard. Donc en gros, quand le vaisseau, quand t'es derrière le vaisseau, faut partir dans la diagonale derrière à gauche, à 1350 mètres. Faudrait que j'essaie de retenir ça. Et sinon, je cherchais le lieu où trouver ces trucs-là. Et je les ai ramassés, je sais pas comment. Du coup, je sais pas... Je sais pas vraiment d'où je les sors. Et non, je ne les sors pas de mon cul. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai soif IRL. C'est fou. Ça, c'est un truc d'ailleurs quand tu fais de la plongée que je trouve tellement horrible. Là, quand t'as la bouche asséchée, que t'as envie de boire. Genre, t'es entouré d'eau, mais t'as la bouche sèche. C'est trop bizarre comme sensation, je trouve. J'espère que j'ai de l'eau chez moi, hein, parce que... Je pars de ce principe-là, là. Un petit tour de contrôle. C'est pas du tout parce que j'avais oublié où était ma base. Enfin, l'entrée de ma base. Allez, dites-moi que j'ai pensé à laisser de l'eau. Non, ça c'est les palmes, on s'en fout. Enfin, je vais quand même regarder. Ouais, il faut de la pyoaniline là, je sais pas ce que c'est. Bon. Apparemment, il y en aurait plutôt genre pas. Merde. Mais on a ça. Coucou, c'est là. Merci. Ça, si jamais à un moment je recherche, je saurais que je pourrais aller là. Merci d'avoir clippé. C'est cool. Ah merde, c'est un gros poisson ça. Dégage, s'il te plaît. Aller boire ça. Oh. Fibre synthétique de haute résistance. Ok, on verra ça plus tard. Ok, je vais en manger un tout de suite parce que je suis à 1 effectivement. Il est où, il est où? Oh la vache. Comme je joue avec le feu là. Bon après quand on est à 0, je crois que c'est qu'on perd de la vie petit à petit, hein. Ça arrive pas d'un coup non plus.
C'est pas fou, hein? C'est pas fou. Alors que je retourne. Alors comment. À chaque fois j'oublie. Ah oui, c'est échantillon de corail tubulaire. Ah non, si j'en avais, ça aurait été là, je pense. Ah bah non, j'en ai là, cool. Ok, là du coup je vais pouvoir faire mon lance-torpille si je ne me trompe pas. Et on va pouvoir check le vaisseau. Faudrait que je fasse un petit. Que je refasse un petit stock d'eau avant. Pour être peinard. Alors. C'est ça que j'ai la tineur rubis. Eh ben. Ah ok, c'est que c'est là, pardon. Ok, et donc le module, allons le chercher. Ça. 3 de titane et 1 de lithium. Là, on pourrait croire que je savais où était le lithium. Mais non. C'était de la chance. Ok. Je vais poser ce qui ne me sert pas. C'est-à-dire pour l'instant ça. Parce que je vais aller chercher de quoi me faire quelques bouteilles d'eau une fois que j'aurai fait mon lance-torpille et comme ça après je pense qu'on pourra aller on pourra aller à bord du vaisseau tranquillement. Voilà. Donc il me faut genre du sel et corail. C'est quoi que je cherche avec Javel? Du corail tubulaire, il y en a entre ici et notre base principale. Ah oui tiens, et j'ai pas regardé Ah non, la combinaison prone. Il me faut encore tout ça pour l'avoir. Waouh. Oh la déception. Oh putain. On fait pas des choses comme ça. Après t'as plein de trucs du genre propulseur et tout là. Ah la combinaison prone, ça a l'air ouf, mais ça va sûrement être pour aller dans les fonds marins. Ok, donc j'aurai sûrement le truc du Cyclops avant. Au niveau de la bouffe, là, je prendrais les trucs qu'on a trouvés, on en a trouvé plein. Ah ça, c'en est, je pense. Yes. Je vais remplir mon inventaire. Hein. Comme ça, j'aurai plus besoin que de sel à chaque fois quand je voudrais de l'eau. Voilà, on en a 23. Bon, allez.
Salut. Enchanté. Vous avez des sales gueules. Est-ce que je ne ferais pas d'ailleurs par hasard, et j'ai débloqué canon à propulsion et bras grappin pour combinaison. De toute façon, il y a plein de composants dedans, aucune idée de ce que c'est, comment on le fait. Hein. Peut-être faire ça si j'ai 4 de diamants. Un petit renfort de coque au cas où. 3 titanes, 1 lithium, 4 diamants. On est en galère de place là. Hop, voilà. Ça, on va pas le prendre avec nous. Ça, on en garde une, toujours au cas où. Ça, on va en avoir besoin. Lampe 6, scanner évidemment. Réparation. Fusée éclairante. Ah, j'aurais pu lâcher ma fusée éclairante. Elle aurait pas été indiquée, mais ça aurait été plus simple en revenant de détecter le lieu de loin, je pense. Découpeur laser aux gardes. Au désinfecté. Et je vais en garder 3. En fait, je préfère en avoir trop. Et au pire, là-bas, le jeter. Enfin, ou le consommer en étant en rab. Pour prendre des trucs. Voilà, en plus, comme ça, j'ai un peu de nourriture. Plutôt que de devoir faire un aller-retour quoi, j'ai tout pile 4 diamants. Et là vous dites, bah il en a que 3, il dit n'importe quoi. Et non. Il dit pas que n'importe quoi. D'ailleurs vous êtes pas obligé de dire, il dit machin et tout. Hein. Je suis là. Hein. Ah, par contre c'était le 3 de titane. Vous vous dites il a une mémoire de merde. Et oui. Et tout à fait. Elle est dessus. On est bien d'accord. Oh come on. Ah, il m'en manque un quoi. Je suis sûr qu'il y en a autour de ma base. Oh, d'habitude les autres ils en posent tout le temps par là là. I am déçu. Et viens là! Ah! Je crois que là il y a un peu de titane.
Même ça, j'en veux pas. Hop, on va faire un petit peu de stock tant qu'on y est. Donc, je lâche un titane pour prendre 3 de titane. Voilà. Je savais bien qu'ils faisaient des stocks. Et pas loin. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Ah, cool. On s'en fout. Moi, j'ai envie de dire, quitte à avoir autant de titane. Autant. Pardon. Autant j'en mets 3 de côté pour être sûr de pas les utiliser. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit peu de décor intérieur. Oh, on peut mettre un cadre photo, génial. Attends, j'ai pas d'or. Ah voilà. On va mettre des petits pots de plantes. C'était pas le bon bouton. Qu'est-ce qu'elles sont basiques ces fleurs? Qu'est-ce qu'elles sont composites ces fleurs? Pas convaincu, convaincu quand même. Ah non, ça c'est une étagère, d'accord. Voilà, on n'avait pas assez. Ça j'aime bien. Enfin, c'est pas très joli, mais dans l'idée c'est cool. J'ai trouvé où tu as eu la poche gélatineuse. Ah ouais? J'ai pas triché alors. On va pas mettre le lit là où on dort. Hein. Oh, je verrai après pour faire ça. Ah, je vais regarder, attends. C'est quoi ce truc? Attends, c'est la capsule temporelle qui me les a données? Ah ouais, ok. Ah ouais, donc j'ai pas du tout trouvé la zone. Bon, ah, d'un côté. Ok, d'accord. Il me faut deux trucs d'aérogel. Je vois, je viens de voir le truc filtre à eau là. Ok, sac gélatineux rubis. On est d'accord qu'il me reste un sac gélatineux quelque part. J'en ai eu deux. Rubis. Et sac gélatineux. Eh, bien vu. Fallait le voir. Et donc du coup, je voulais faire, je disais, ah oui, le pardon. Le filtrage d'eau, fil de cuivre. C'est deux de cuivre. Parce que ça, si ça peut m'éviter les galères d'aller chercher du sel et tout ça. Ah, tu peux l'avoir en genre de différé, je savais pas ça. Alors ça prend quelle place? C'est étrange. Ah, est-ce que c'est parce que c'est un gros truc qui doit prendre toute une salle Est-ce que je peux le mettre là-dedans? Faut que je le mette sur le toit peut-être?
J'essaye de comprendre. Ouais, filtrage d'eau, c'est bien s'il est dehors d'un côté. Raté. Ah, ou peut-être sur un mur. Sauf que là sur les murs il y a déjà ça. Yes. Bah je vais le faire là. Hein. Ah c'est un soda stream! Génial! Et alors faut que je mette quoi? Eau 2%, sel 3%. Ah, est-ce qu'il faut que je mette du sel dedans? C'est avec ça qu'on fait les trucs dans la vraie vie, je crois. Si tu les coupes avec le couteau. Ah, tu peux les replanter. Ah, il y a plein de trucs, ouais, j'avoue, tu dois pouvoir en faire des genres de champs, quoi. C'est stylé. Ah là où il y avait les champignons violets et les espèces de serpents qui nous attaquaient? Parce que moi je cherchais la forêt à champignons, je croyais que c'était là-dedans que j'en avais trouvé. Il faut que je mette une bouteille? Non, c'est bizarre. Parce que là, vu qu'elle n'était pas complètement pleine, je me disais peut-être. Ou est-ce que ça marche tout seul? Ah, ça se trouve. Ça me faire de l'eau et du sel? Je sais pas. Je comprends pas trop encore. Bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On verra à notre retour si ça a fait des trucs. Là, on va plutôt prendre des torpilles, hein. Voilà, on va plutôt aller se taper. C'est l'heure. Allez, je peux enlever deux de ça. Je peux enlever ça. J'ai que ça en torpille. Permettez-moi d'être étonné. Ah, je me disais bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ce que je peux charger dedans. Je vais en prendre 2 en rab et en soie, je pense que ça suffira. Hop, clac, poum, tic, bref. Et tant de bruitage inutile. Dans Lost River, what is this? Hop, c'est pour la maintenance, c'est mieux de pas être dans le truc, ça je trouve ça un peu dommage. Parce qu'en gros. Voilà. C'est ici qu'on accède au compartiment des torpilles. Ah, j'avais oublié que de base, on avait deux vortex. Bon, ça se trouve, j'aurais des torpilles en trop, c'est pas très grave. Tiens, je vais faire une sur deux. Ah non, ok, c'est forcément les vortex en premier, c'est pas grave. Ça me fait penser à Minecraft. Et alors les coordonnées. Ah non, là on s'en fout de ça. Ah merde. Je sais pas comment je navigue dans ce truc-là en fait. Ah si, World Pause. Ah oui, bah c'est vraiment comme du Minecraft. Ok. Ah, je ferai ça la prochaine fois. Ah, est-ce qu'on est bon là?
Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, je vais faire un dernier truc. Un dernier truc. Bonjour, je voudrais l'échelle, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Bon, pas en mission le ventre vide. Je vais aller chercher un peu d'eau, ça m'a donné soif tout ça. Et je suis là tout de suite. Et ben en fait, je n'y vais pas parce qu'il y a du Perrier à côté de moi. Génial. Alright. Je déclare ouvert la mission coucou numéro 3. Je répète, début de la mission coucou numéro 3. Faisons une petite pause pour réparer le vaisseau. Oui, très bien. Sauf que je voulais réparer le vaisseau. La mission coucou numéro 3 peut reprendre. Je répète, la mission coucou numéro 3 peut reprendre. Ne paniquons pas en appuyant sur E quand on se fera attaquer par le Léviathan. Gardons notre calme et lançons une torpille dans sa bouche de sale bâtard. Coucou dans 800 mètres, radiation détectée. Coucou dans 700 mètres. Coucou dans 600 mètres. Coucou dans 500 mètres. Coucou dans 400 mètres. Coucou dans 300 mètres. Coucou, dans 200 mètres, nous approchons de la zone de danger. Je commence à ne pas me sentir très bien. Je sens qu'on va croiser le Léviathan. Et que... Non. C'est pas grave du tout. On s'en fout. On s'en fout complètement. À l'aide. Putain, mais on voit rien dans ce truc de merde. Je trouve ça ouf comme on voit rien. Est-ce que c'est parce que en fait je suis pas du bon côté depuis le début? Parce qu'en vrai je trouve pas l'entrée du vaisseau de ce côté-là. Je me sens pas bien en vrai. Je sais que je vais sursauter quand il y aura le Léviathan. Il est là, il est là, il est là. C'est bon. En fait, si je le vois, ça va. Là, je le vois plus, ça va pas très bien quoi. Par exemple. Pourquoi j'arrive pas à tirer? Ah si, ça y est, je lui ai mis la vortex dans la gueule. Oh, quel bonheur! Seulement ça pouvait le tuer au passage. Et en plus le pire c'est qu'il faut vraiment que je sorte vite pour réparer avant qu'il me rattaque. Ah ouais, il me rattaque direct, mais quel bâtard.
Pourquoi ma torpille ne fonctionne pas? La mission se passe vachement moins bien que prévu. Je répète, la mission pue du cul. Je pense que je suis hors de portée là. Je comprends pas où est l'entrée de ce putain de vaisseau. Je vais essayer par l'avant. Attendez. Ne soyons pas trop bêtes. Vite, faut que je rentre dedans, faut que je rentre dedans. Non, il va me l'exploser. Il me l'a pas explosé. Putain, il est venu jusque là, mais quel enculé! Qu'est-ce qu'il fout là? Faut le réparer à chaque fois parce qu'il lui met 64% de dégâts dès qu'il le prend dans sa bouche. Si je le dégage pas. Est-ce que j'ai remis les torpilles du coup? Je suis pas sûr. Ah, j'ai vraiment hâte d'y retourner quand il fera nuit hein. Bon, est-ce qu'on va voir devant? Ah oh, putain, je viens de le voir passer là. Ah, toute berzingue! Là-bas, il y en a un aussi, c'est pas le même. Ah, il est là-bas. Ok, nous on va par là. Il y en a plusieurs, hein, clairement. J'en ai vu un à gauche ou pas là? Je suis pas sûr. Je pense que j'ai balisé mais qu'il n'y en avait pas en vrai. J'aime pas ça. Hein. Moi je veux juste genre explorer tranquille et tout. C'est quoi au-dessus là? Je sors? Allez, je sors. Ce qui m'énerve, c'est que je sais que je vais bientôt sursauter, mais que ça va pas m'empêcher de sursauter, quoi. Est-ce que je peux les tirer de loin ou pas? Oh merde! J'ai failli me faire sursauter rien qu'avec ça quoi. Genre tout me fait sursauter en fait.
structural integrity is low. Fire suppression equipment and laser cutters may be required. Exploration is conducted at your own risk. J'ai pas envie. Pourquoi j'ai ça? Ah non, mais je vais pas consommer. Ok, alors on va se mettre le découpeur laser pas loin. Et je crois qu'à partir de là, on peut y aller à pied. Enfin, à pied. Non véhiculé en tout cas. Ah! Tiens, un mur invisible. Oh, putain, on est tout petit quoi, je viens de voir la taille du vaisseau au-dessus là. Ah, on peut peut-être continuer. En fait, moi je croyais qu'on allait explorer la partie émergée du véhicule. Je voulais aller voir ce qu'il y a au-dessus, pas en dessous. Ah, peut-être là. Allez. Bon, admettons, parce que sinon je sens que je vais finir par le bloquer, mon truc. Quoi? Quoi? Donc il y a un mur invisible. Superbe. Pas assez stressant comme ça, faut rajouter des murs invisibles. Histoire qu'en plus d'être stressant, ce soit frustrant. Je me sens pas bien. Bonjour. Par où est-ce qu'on peut rentrer? Par là? Non, c'est là d'où je viens, ça, non? Allô? J'aimerais bien comprendre par où je dois aller pour explorer ce vaisseau. C'est ouf. Puis là en plus je commence à baisser ma garde, à m'énerver, donc je vais finir par me faire attaquer par le truc de mort là et flipper ma race. J'ai bien fait de mettre la coque plus plus. Non, là je suis déjà allé. Parce qu'en gros, je crois que ça me réduit les dégâts de petites collisions comme ça quoi.
Ah, puis il y a la nuit qui commence à tomber. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Un mur invisible. Quitte à, enfin, quitte à mettre des murs invisibles, autant indiquer du coup où il faut aller quoi. Voilà ce que j'en pense. Ah non, mais j'étais déjà là tout à l'heure. S'il dit qu'il faut un laser et tout ça, c'est qu'on peut explorer, non? Ah, c'est par là? Oh, mur invisible! Oh, mur invisible! Oh, mais please, quoi. Oh, mur invisible! Voilà. Et vous, là, j'essaye de courir tout droit. Hein. Comment ils ont fait leur truc là, franchement? Genre me laisse pas monter là si je peux pas y aller. Y a aucune indication de vers où rentrer et tout. J'ai surtout peur de glitch à un endroit, comme ça m'est arrivé la dernière fois. Ouh là là. Il n'y avait pas une plateforme à la base là? Ah et voilà, genre voilà, c'est typiquement ce dont je parlais quoi. Allez, bah je sais pas. Là il y a un mur invisible en fait. Attends, je vais essayer de faire le tour. Je suis peut-être du mauvais côté du mur invisible. Si vous voyez ce que je veux dire. S'il faut commencer à réfléchir, de quel côté on est dans le mur invisible dans un jeu. Merde, ça commence à faire chier. Du coup, on va reculer un peu. Alors, passer au-dessus par là. En essayant de pas se faire agresser par le Léviathan, ça pourrait être cool. Ah putain! Ok. Je sais pas si vous avez vu, il y a plein de petites créatures de ces morts. Et j'ai pas mon tromblon malheureusement, donc ça va être très chiant, va falloir y aller au couteau.
Mais ça doit être là qu'il faut.